Bonjour la Réunion, bonjour le monde, comment il les a toutes, ils ont le bien, mal et mieux. Alors, toujours un nouveau numéro dont on n'est pas sorti de l'auberge et toujours un superbe endroit à découvrir. Alors, on commence comme ça. Oui, d'accord, mal à oublier mon rasoir pendant une semaine, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on est chez Jean-Marc à Saint-Philippe. Et Jean-Marc, il va nous faire une petite salade de palmiste. On va bien manger ce midi. Et on va voir un petit peu son jardin, son domaine, parce que franchement, c'est énorme. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de me suivre, hein, et puis de venir plus vite. Et queue de cerise, très bon pour la fièvre. Très, très bon pour la fièvre. Venez. Allez, viens. Allons voir Jean-Marc, allons. Whoopé Jean-Marc. Bonjour Alex, comment ça il va est? La forme? Ah, tu joues la forme ou même, ça va. Génial. Alors, déjà, merci d'accueillir nous. Dis-nous un petit peu où ça nous l'aime là. Ben là, nous l'est au cœur de Saint-Philippe, au baril. Ni pas le cœur, parce que tout à l'heure, on va connaître pourquoi ni pas le cœur. Voilà. On connaît, on m'a dit cœur, mais dit mais que palmiste. Oui, je suis la bonne voie. Donc, l'endroit s'appelle le four à pain. Et pour le coup, c'est pas pour rien. Voilà. Parce que mi voir qu'on en a quand même. Donc, voilà. Donc, dans ma cour ici, on a un petit patrimoine. Aujourd'hui, c'est moi le gardien. Et c'est un vieux four à pain. Hein. Là, c'est la bouche du four. Mm-hmm. Et à l'arrière de ce four, il y avait un dôme. D'accord. Mais le dôme est effondré. Et donc, à la place du dôme, ils ont construit une citerne. D'accord. D'ailleurs, la citerne. À deux jours près, on va fêter ses 106 ans. 106 ans la cité, mais elle est encore jeune. Viens voir si tu crois pas. Quand on regarde un petit peu l'histoire qu'il y a autour de chez nous au baril, il y avait une ancienne usine sucrière qui date de 1862. Donc on peut essayer de faire le rapprochement entre ce four à pain et l'usine sucrière qui pouvait être le four du village. Donc ça veut dire que ces murs-là, ces galets-là, là, ça n'en a largement plus de 100 ans, mais voire bien largement plus. Imagine combien de le coûte... nombre de pains, le nombre de pains, le nombre de... Voilà. Et la petite... Le petit... Voilà, la petite bouche du four, là. Ça, Marmaille appelle ça patrimoine. En montant, là, tu vas découvrir un petit jardin créole. Donc ici, on va avoir des flottes toute l'année. L'idée aussi dans tout ça, c'est ne pas mettre aucun produit. Bien on sûr. On plante, ce qui pousse, c'est bon. Ce qui ne veut pas le pousser, ben, on va avoir ça, choisir d'autres plantes. Et là, quand les oiseaux vont venir ou les abeilles butiner, ils sont dans leur univers. Là. Tout est naturel. D'accord. Dis-moi, je vois que tu as de la vanille. On peut aller faire un petit tour, voir et en parler ou quoi? Ben, si tu veux. Hein, on va faire un petit tour voir la vanille. T'es d'accord? Allez, viens, voir la vanille. Il va tout nous expliquer sur la vanille, le monsieur Jean-Marc. Cette vanille-là, c'est des gousses qui étaient fécondées vers le mois de novembre. Mais après, pour que la gousse mûrisse, il faudra quand même attendre encore 6 mois. D'accord. Parce que le cycle, il faut compter le cycle d'une gousse de vanille, c'est 9 mois. D'accord. Ok, ok. Et à la Albius, c'est toi qui fais tout? Voilà, donc Albus ça nous a montré comment on fait la fécondation et aujourd'hui, génération en génération, perpétue tout ça. Hein. Cette vanille-là, en fin de compte, je suppose que c'est pour de la consommation perso ou alors tu arrives à vendre quand même? Non, c'est plus comme j'ai une petite vanillerie, ça va être un peu la consommation personnelle et puis une petite partie, je vais le mettre sur la table pour les touristes qui sont de passage. Voilà, et puis il faut dire que de toute façon, à Saint-Philippe, s'il n'y a pas de vanille, c'est triste. Voilà, de toute façon, à Saint-Philippe, là on est sur Saint-Philippe, on a des cultures bien spécifiques, palmiste, vanille. Jean-Marc, dans la diamant, je ne connais pas si c'est vrai. Oui. La diamant, comme ça, on en a des magnifiques chambres aussi, où accueille du monde, etc. C'est vrai ça?
Ben oui, il fait table d'hôte, chambre d'hôte, donc ben, c'est l'occasion, si vous voulez, on fait un petit carré bois. Sans bac à rôde, diable, allons voir ça. Allons voir ça, t'es, il faut les gens ils voient ça. Je passe par où? Je passe par là. Donc, ben, voilà, donc je peux t'ouvrir, faire voir ça, l'intérieur commencer. Donc, c'est une chambre double. Chaque chambre représente un peu ce qu'on fait ici à Saint-Philippe. Là, on est dans une chambre vanille. Si on regarde au niveau des lampes de chevet, c'est le travail d'un artisan local. La fête va quoi? Voilà, de Saint-Philippe. Hey. Ici, on va retrouver des petites brindilles, la petite veine principale du palmiste. D'accord. Et ici, le va quoi? C'est pas tout, hein. Ou la nuit, ou la dormie, ou la fin de prendre un petit bain, mais vous connaissez, si vous voulez, m'y fait la cuisine aussi, hein. Eh, hey, mais il dit quelque chose qui est très intéressant, là. Jean-Marc, il dit qu'il fait de la cuisine aussi. Oui. Oui. Ah bon, mais dis-moi, en alors, plus, dis-moi. Tout à l'heure, là, vous connaissez, ici, à Saint-Philippe, là où le cœur du palmiste. Mm-hmm. Donc, quand il fait de vivre et manger à Saint-Philippe, en table d'hôte, comme ça, chez moi, là, automatiquement, moi, les producteurs, on n'aura pas mis sa table là. Eh ben écoute, allez, allons, coupe palmiste. Donc là, Jean-Marc, nous fait petit domaine où tu as tes pieds de palmiste, tes pieds de vaquois et coco. Voilà, palmiste, coco, vaquois, palmiste royal. Tu as combien en superficie là? Sur cette parcelle-là, j'ai 4 hectares. 4 hectares? Alors, quel pied de palmiste vous a coupé où là? Bon, après, bah, par exemple, celui-là, on peut déjà avoir un petit chou, hein. Bah alors. Voyez. Bon, là, c'est le couteau, il coupe à maman, hein. Simple. On voit si cette partie tendre là, que ça va manger en salade. Bah, et là, pour le coup, eh ben, c'est celui-là qui va finir dans le petit curry pork, c'est ça? Voilà. Côté, allons. Bon, Jean-Marc, là, nous sort donc des champs. Oui. Dis-moi, tu m'avais dit que tu avais préparé, parce qu'on avait donc le palmiste pour la salade, le palmiste pour le curry. Voilà. Mais là, pour le coup... Du coup, j'avais déjà un que j'avais coupé ce matin très tôt, pour faire une petite surprise, c'est pour faire un roulé de palmiste. Un roulé de palmiste, dis-moi comment on fait ça, là. Alors, donc, déjà, à la base, on a une pâte feuilletée. Ici, ce que vous voyez là, c'est que c'est un rougail que de songe. Un rougail que de songe, voilà. D'accord. Donc, ça l'est allé là. Et après, bon, on l'a fait bouillir un palmiste. Entier là, et là, mais ça va reconstituer le palmiste ici. Hein. D'accord. Donc, on reprend les morceaux ici. Voilà, donc là maintenant, il s'enroule à lui. Comme ça. Maintenant, en fait, on va expliquer comment faire une bonne salade de palmiste aux gens qui nous regardent. Quand ils voient ça sur le marché, hein, et ben, la fois elle a peur d'acheter, tu vois, et ben, explique à eux comment ils font une bonne petite salade. Bon, ben, à la base, une bonne petite salade, c'est avoir une vinaigrette et fait avec le citron. On ne va pas prendre le vinaigre. Hein. D'accord. Ici, on en a de citron qui sort dans mon jardin, salé naturel, pas de produit, rien dessus. Palmiste, pareil d'ailleurs, fait naturellement. Donc, la vinaigrette, on prend le citron, un petit oignon, un petit peu de poivre, sel, une petite touche d'huile, poêle à marocain, parce que ça pas mal l'huile non plus, nous là. Hein. Et après, quand la vinaigrette est prête, vous prenez votre palmiste, et là, on a une partie, il faut connaître, il faut pas, si vous voulez que votre salade reste blanc là, cette partie devant là, il faut pas mettre là. En bisous comme ça. Bonne méthode. La mission. Ouh là 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 là. Alors, le petit samoussa. Samoussa fait maison, bien sûr. Oui, mais samoussa palmiste. Samoussa palmiste. Le petit on fait maison aussi. Voilà. Et. Le roulé. C'est ça. La salade. Voilà. Qu'on va tout de suite goûter. Ah là, on va m'y faire honneur. Allez. Ah, ou en premier, hein.
franchement, c'est un délice. Palmiste, songe, pâte feuilletée, et un petit jaune d'œuf dessus, voilà. Tout simplement. M'a bien mangé. Bah, il fait plaisir. M'a bien mangé, et c'est le moment tant redouté qu'on appelle l'interview de fin. Dis-moi, comment tu es arrivé à ouvrir ta petite chambre d'hôte et à accueillir des gens comme ça, accueillir des touristes, accueillir des Réunionnais? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça en fait? Donc bon, c'est une réflexion qui a été faite entre deux, hein, madame et moi, hein, c'est pas que tout seul. Hein. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Donc bon, l'idée c'était qu'au départ, bon, moi-même je suis agriculteur, et dans un projet de diversification agricole, qui est lié à mon activité de récolte qu'on fait. Hein. Donc, revaloriser des produits que j'ai, bah, le palmiste notamment, d'autres tels que, bah, généralement, je reste tout ce qui est dans le végétal. Hein. D'accord. Le vaquois, les palmistes royales, le chou de coco, on peut trouver tout ça ici au Fort à Pain. Et donc, aussi, c'est que pour moi, le site aussi s'y prêtait pour. Hein. Donc, il faut aussi lier à ça. Donc, ma femme et moi, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on arrivait à un âge mûr, c'était le moment ou jamais. Et ben voilà, donc l'esprit de la table d'hôte, c'est aussi manger local et avec le plus souvent possible, naturel. Écoute, tu connais comment ça fait? Moi, me dit au revoir. Ben voilà. D'accord, et ça te sonne par là directement. Ben, et je me demande si je ne vais pas piquer une tête directement tout à l'heure. Ben Mila, ça va aller. Vaut mieux là, pas, hein? Là, moi, non, moi, Mila, ça va faire. Jean-Marc, merci. Ben merci à vous encore cette petite visite. Et puis au plaisir de te revoir. Hein. Je reviendrai. Voilà. Au revoir. Mon ventre les plein, le petit porc palmiste, le roulé au palmiste, un délice. Je précise qu'à 2 km vers le sentier de Marlongue, il y a un sentier d'interprétation botanique. En même temps, dans le sud sauvage, il y a la piscine de l'autre côté, il y a pas mal de sentiers qui mènent vers les forêts à Saint-Philippe, ceux qui veulent marcher dans les forêts, etc. Ne vous en faites pas, il y a de quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ah, très important, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. Et celle-là, elle est pour mon petit papa, serait Georges. Oui. Alors moi, je pars. Oui, mon ventre est plein, mais j'y vais quand même. Et arrêtez de me suivre.